Bonsoir les délicieux co-créateurs, ici Xavier. Donc ce soir, j'avais envie de vous partager un peu de ce qui se passe dans ma saison 25. Je suis aux trois quarts que j'avais appelé le déploiement, se déployer. Donc, je suis très heureux parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, qui se passent et qui se déploient du coup. Voilà. Et déjà, je voulais commencer par souligner un aspect qui, en ce moment, me parle beaucoup et qui pour se déployer, qui est important, c'est de ce que je vis. Moi, là, en ces temps-ci, c'est vraiment dans l'importance de pratiquer et de cultiver toujours une énergie vitale en fait par le biais de pratique. Ce qui veut pas dire, ça va être possible, on va se sentir des fois dérouté par des événements, croire qu'on n'a pas d'énergie, mais en fait c'est aussi l'énergie vitale, ce que je vis, qui permet de dégager des trucs qui empêche de se déployer en fait, des trucs qui étaient dans le bas astral, tout ça, et de pratiquer régulièrement, donc ça fait augmenter le niveau d'énergie, puis ça nettoie, ça dépote. Donc ça, je suis très heureux, et en plus avec ma pratique personnelle et l'aide de mon maître Reiki, donc je libère pas mal je libère beaucoup. J'ai fait aussi, je refais une journée de Constel. Donc ça m'ouvre, ça permet de se déployer. Ce que j'avais remarqué quand j'avais envie d'aller vers un stade plus élevé, il y a des trucs qui tirent. Voilà, on peut avoir l'envie d'aller plus haut ou de vivre pleinement sa vie, mais pour autant on est scotché des fois. Des fois ça nous appartient pas du tout, hein, c'est d'avant. Et c'est important de toujours quand même de pas s'auto-saboter, et on sent ce truc qui nous ramène en arrière ou qui veut pas, mais en fait c'est très bon signe, ça peut être très bon signe, c'est de vraiment de persévérer, de continuer. Voilà, ça je voulais un peu partager ça, l'importance de la pratique. Et après, une fois que c'est ça déverrouillé, après il y a des choses qui se font tout seul. Donc dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui se déploient. Voilà, des prises de conscience aussi. Au niveau de la sexualité, ça se déploie beaucoup aussi. Et beaucoup de prises de conscience aussi. Et beaucoup plus d'épanouissement aussi. Aussi le rapport à l'homme. Vraiment la conscience d'une violence chez l'homme. Enfin, moi j'ai. Dans la manière, dans l'acte sexuel qui peut être là, alors que là, il y a un aspect beaucoup plus. Sans juger, c'est important par la communication et de dialoguer aussi. C'est ce que je ressens, ce qui permet une sexualité plus épanouie, je vais dire plus douce, mais c'est pas. Plus sacré, pas sacré, enfin une vraie sexualité qui mène vraiment. En plus, ça aligne tout, puis ça monte, puis là, après, c'est vraiment la détente et l'extase et la détente. Et ça, vraiment, je prends de plus en plus mon pied, donc ça, c'est chouette, et ma partenaire aussi. Je peux pas parler. Voilà. Voilà, donc ça me touche beaucoup aussi, cette notion aussi. Par rapport à l'homme qui a vraiment des consciences à avoir des prises de conscience par rapport à tout ce qui est frustration, ses envies aussi, comment c'est ouais, j'ai vraiment une prise de conscience sur des fois on a vraiment une envie, mais en fait derrière ça, qu'est-ce qui se cache, et de plus être soumis à certains et être plus dans vraiment le cœur et l'amour. Voilà. Je voulais partager, sinon. Ah oui, ça se déploie. Du coup, ma pratique bouddhique aussi, je suis content. Moi qui méditais tout seul, maintenant, j'accueille des personnes à la maison.
Donc ça, mon activité bouddhiste se déploie beaucoup. Ça, j'en suis vraiment très heureux et touché, et c'est très riche. Et en plus, dans le courant où je suis, là, c'est vraiment la place est mise à la jeunesse. Puis c'est très rigolo. Moi, j'ai des projets. Là, je relisais un peu le magazine, dernière page. Et le mec, le maître, c'est vraiment, je lisais un article, ça me c'est vraiment un soutien, et ça va vraiment dans le sens que je suis, voilà. Donc je trouve ma place aussi. Ça, c'est, ça me fait du bien, bien. Ça aide à être homme et à prendre aussi des responsabilités et de rayonner, se déployer. Donc là, j'ai vraiment. Là, ça va être à travers un projet de. Donc, j'ai acheté le terrain déjà. Donc, mon projet, c'était de forêt-jardin. Hein, c'était vraiment ça. Et je peux le faire tout seul, j'ai des sous et tout. Mais c'est vraiment comme dans la ferme du Bec-et-Loin. Je me dis, c'est un point d'acupuncture à la terre et j'ai envie de donner un sens beaucoup plus profond. Alors là, je vous propose en fait de parrainer la plantation d'arbres. C'est à peu près. Ça peut être de 10-12 euros le minimum. Et moi, je pense que je vais les acheter à 35 euros. Mais peu importe. Et après, c'est en même temps avec. Pour certaines personnes, ça peut être voir comme un rituel d'ancrage, comme une cérémonie d'ancrage quand je plante mon arbre. Voilà. Et je voulais donner le prénom, le nom de l'arbre. Et que ça constituait quelque chose de plus. Ce qui me tient à cœur, de plus. À la fois une dimension sociale. Enfin, plus que sociale, voilà, humaine, de partage, voilà, de partage avec plaisir, joie et cœur. Donc voilà, et puis c'est pour le bien de la planète, hein, écolo, diminuer l'empreinte carbone. Bon, si je cache pas, hein, c'est aussi pour planter mes arbres et pour faire mes jus de légumes, en fait, des pommiers, tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment. Je me sens encouragé, enfin, c'est le top, voilà, c'est bien. Ah oui, alors toujours dans la saison de déployer, alors aussi moi qui vis un peu trop petit en fait, c'est ça que je me rends compte, je reconnecte vraiment l'énergie de qui je suis. Je pense que j'ai fait mis longtemps une carapace, des boucliers que je montre pas vraiment qui je suis à tout le monde, et je pense qu'il y a vraiment quelques personnes dont ma compagne. À qui je m'ouvre vraiment, parce qu'il y a une forme de douceur et de respect. Et c'est pour ça que j'évite aussi l'attachement, où je fuis pas mal de choses. Mais je crois que je commence à prendre vraiment en fait, une certaine confiance, et puis à savoir mettre des distances, à tenir les bonnes distances dans les relations. Je parlais de ça ce matin avec un thérapeute. Dans un centre bouddhiste, toujours, bah, c'était cool. Normalement, on devait être plusieurs, mais j'étais tout seul avec lui, donc c'était très cool d'accueillir toute cette sagesse aussi. Et voilà. Et justement, ça me parle parce que je suis aussi. Il y a un mot qui me résonnait. Je suis un peu dans ça, dans la transmission, dans ces temps-là. Alors, moi qui fais de la mécanique, qui adore ça. J'aime bien avoir des mots comme ça qui me viennent. Une période, j'avais l'impression que c'était des anges qui m'envoyaient un mot comme ça, puis ça résonne. Et là, c'est ce mot-là. En plus, ça fait transmission. Il y a la transmission souvent de génération en génération. Donc, au niveau de la mécanique, c'est on va voir pour passer du moteur aux roues, quoi, tout ça. Donc, plus la boîte de vitesse. Donc c'est comment qu'on va faire passer quelque chose, véhiculer quelque chose. Et je suis vraiment dans cette mouvance-là, avec aussi la notion de prise de pouvoir. Là, ça a bossé grave là-dessus ces derniers temps. Parce que moi qui suis quelqu'un de gentil, je m'en rendais pas compte, mais en fait, il y a des tas de personnes. En fait, elles aiment le pouvoir et prendre le pouvoir sur l'autre. Alors moi, je donnais carrément mon pouvoir comme ci, comme ça. Alors que je me rends compte, non, c'est important du coup de cultiver une belle énergie et d'être vraiment très présent pour éviter de se faire happer en fait et bouffer. Et aussi l'importance, du coup, voilà, enfin, c'est moi, des personnes, voilà aussi peut-être pour ça que je me protège ou pas, parce que les personnes m'ont
Moi, j'ai aucun problème de rencontre. Moi, les gens, ils viennent assez vite. Ils doivent pas se sentir en crainte, mais le souci, c'est que des fois, paf, ça, hein, ils empiètent sur l'intérieur. Ça va pas, quoi. Donc, cette notion-là d'important, voilà. Et du coup, je retrouve un pouvoir, en fait, mon propre pouvoir, et je suis moins soumis et moins petit. Et je vois plus grand, et que cette notion de pour se déployer, c'est important d'avoir cette présence et d'être bien avec qui je suis. Donc ça fait du bien. Donc voilà, je suis très heureux pour ça. Alors qu'est-ce que je pourrais vous donner et partager d'autre aussi? Ah oui, voilà. Alors là, du coup, je suis monté sur scène. Alors là, c'était royal. En ce moment, je suis un peu dans le royal. Mon animal totem, c'est le lion. Voilà. Mais, ah ouais, j'ai pris mon kiff là. J'ai pris mon temps. J'ai salué toutes les personnes et tout. C'était... Bon, à la fin, je me suis quand même. Mais ça me fait du bien. Donc voilà, quelque chose d'épanouissant qui se déploie. J'ai l'impression de déployer mon aura, mon énergie. Et ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur et de rayonner toute cette belle action. Et je pense que la Terre a vraiment besoin d'hommes acteurs et actifs et responsables. Tout en étant, en acceptant la faiblesse et la sensibilité, parce que c'est ça être homme aussi, c'est accepter ses faiblesses, ses défauts, et sans juger, voilà, être dans l'acceptation. Voilà le beau message que je voulais vous partager ce soir. Et aux trois quarts de cette saison, bon, c'est un peu long. Bon courage si vous m'avez suivi jusqu'au bout et au plaisir du partage. Merci à vous.